Bonjour les amis, je vous retrouve ici au cœur des jardins de l'Université Capitale des Sports où nous allons parler bien sûr de Jeux Olympiques, de sports d'hiver. Ici les étudiants pratiquent un cursus sport-études. Je vais vous présenter quelqu'un de formidable. Ninhao Shenlao. Je suis très très honoré. Je vous présente un pionnier. Celui qui, dans les années 57 à 60, a raflé toutes les médailles existantes aux Jeux nationaux de ski de fond. Et lui, c'est celui qui a ouvert la voie à toutes ces générations de futurs champions qu'on va découvrir d'ailleurs aux Jeux Olympiques Beijing 2022. Dites-moi, Monsieur Chan, quel est le rapport entre vous et cette Université Capitale des Sports ? Je suis dans cette école. 这个学校是体育学校，和我从事的事业相吻合。我经常在这里啊和老师、学生啊交流、沟通一下的冰雪运动的知识和故事。我也给他们讲个学，挺好的。Super. Vous avez des choses à nous montrer concernant votre fabuleuse carrière? 好，我家就住在这个学校的后面。如果你感兴趣的话，我到我家去，我给你讲更多的故事。 Mais allez, ok, on y court. Là, on est dans l'antre du champion, le musée Chan, la chapelle des souvenirs. 欢迎欢迎，你是第一个光临我这个工作室的外国朋友。 Ah, c'est un privilège, vraiment, merci. Si on doit résumer votre carrière, elle est tellement longue, c'est pas évident. Quel souvenir particulier avez-vous au cours de ces années? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Ce块金牌 c'est 1957年 全国第一枚滑雪的奖牌，当时很自豪啊，别人都叫我雪上飞，雪上飞，这个三座剑几天当中成了名人了，在桐花市。 Alors on est jeune, on est beau, on a la gloire, on est un grand champion, mais avec le poids des ans, ben, ça s'arrête un jour. Qu'est-ce que vous avez fait ensuite ?我从家乡到了国家体委工作以后啊，中国的滑雪运动啊还是很落后的，上个世纪的末期啊，我姐感觉啊，这个大众滑雪啊，应该在中国有兴起的机会了。那时候改革开放的成功，国家也比较经济实力比较强一些了，旅游呢也开展的比较好，所以我就想着在北京周边地区找一个，是吧，离北京近的一个滑雪的区域开发起来，相信国外呢，是吧，把它发展起来。同时呢，我以后在中国举办大赛，做好一些准备。经过近一年的选择，选择了崇礼。 我总结出了七大优势，我讲给他们省领导，或者是县领导一听，他们感觉啊，接受了我的意见，所以崇礼就开展了滑雪运动。 Avec tout ce que vous avez fait, vous devriez avoir une statue dans les stations de sport d'hiver. Mais alors je propose une statue en glace qui fond à chaque printemps et qu'on reconstruit à chaque automne pour l'hiver qui suit. Comme ça, chaque année, vous renaissez. C'est mérité. Et puis alors, j'ai appris un truc de fou. Il paraît que vous avez été le directeur de la recherche sur l'origine du ski en Chine, qui remonte à plusieurs milliers d'années, c'est ça ? 滑雪的起源呢，它不是运动当中起源，它是从人类的生存当中起源的，也就是说，哪一个地区，是吧？人类禁欲的时间长，而且是大雪纷飞的时候，它必然要滑雪起源。而且来看呢，它这种制造滑雪器材呀，就是材料比较来源比较方便的地方。 这个地方就人类在这居住时间比较长，人类的文明进化比较早的地区，我就以这些条件在世界对照地图，来找世界上哪些地区具备这些条件。
我找来找去，找来找去，阿拉泰地区最具备这些条件。当然，像斯堪的纳维亚半岛、啊、挪威和俄罗斯的西伯利亚也都具备这些条件，但是他们一条他们就不行。那里在45000年之前没人居住，而且阿勒泰呢，45000年之前就在那常住生息繁衍，一直是吧繁衍到现在。On vous écouterait pendant des heures. Bon, en même temps, j'ai envie de vous poser encore une petite question. Qu'est-ce que vous allez faire pendant les Jeux Olympiques ? 24届冬季奥运会啊，落户在中国，很高兴，终于来了。我要在这里头以一种老滑雪老兵的那个角度要积极参加这个冬奥会。Bon alors Monsieur Chan, on se retrouve à Beijing 2022 en bas des pistes avec chacun un verre de vin chaud à la main et on dira Campé! Santé!